notre presqu'île, elle tourne, notre cœur de vie tourne autour des assos. Premier remerciement, c'est Alain Pinchetet. Parce qu'Alain travaille, vous savez que c'est mon adjoint chargé du sport, des associations et du handicap. Et il travaille depuis plusieurs mois, depuis même l'année dernière, pour organiser ce forum. Merci Alain. Saluer l'ensemble des élus qui m'entourent ce matin, ils sont nombreux, et c'est important qu'ils soient nombreux pour vous rendre hommage. Pour vous rendre hommage, vous, les bénévoles, vous, les associations. Je voudrais remercier et saluer également l'équipe de Pascal Montouroy, de Christa Sautou, et je nommerai tout particulièrement les garçons, on les appelle les garçons, c'est Loïc et Laurent, je crois qu'on peut les applaudir très fort. Saluer les services techniques qui ont permis la réalisation de ce forum. Saluer le responsable de l'école de musique et des arts de la scène. Saluer également Jean Chignac. Jean Chignac qui va nous faire l'animation aujourd'hui. Merci Jean. Et puis vous saluer et vous remercier d'être présents, vous, les présidents d'associations, les responsables d'associations, ou tout simplement les membres des associations. Notre presqu'île, elle tourne, notre cœur de vie tourne autour des assos. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et ça, c'est l'humain que l'on voit là. On n'est pas sur les réseaux sociaux, on est dans la vraie vie. Et ça, c'est la vie. Là, on s'engueule pas. Là, on est bienveillant. Là. En fait, club de rugby à Lèche-Capferré, c'est aussi le club du Nord-Bassin. Nous avons des gens, des enfants qui sont d'Andernos, de Lanton, de Duporge, d'Arès. Voilà. Nous regroupons tout le Nord-Bassin. Ouais. Tous les cours se réalisent au Grand Croix, après on fait des voyages avec certains licenciés. Ouais. Là on est parti avec les tout petits à Montalivet. Ah génial. Au début de semaine. Il y avait des jeunes qui étaient arrivés, mais qu'il y avait une tranche d'âge qui manquait un peu dans le club. Oui, les adultes jeunes, on est toujours en recherche d'adultes jeunes. Alors Jérôme, moi je vous souhaite une belle réussite pour ce club, ce nouveau club qui arrive à Lèche-Cap-Ferré. Voilà. Le karaté, je crois que c'était attendu par un certain nombre de personnes, que le karaté revienne sur la commune. Donc, voilà. On va essayer de se faire plaisir avec ça et puis de faire un plaisir à un maximum de gens. On va communiquer dans ce sens-là. Donc en ce qui concerne, on a travaillé beaucoup sur le plan de communal de sauvegarde qui est réactualisé régulièrement et en particulier donc sur les 10 centres de regroupement, d'accueil et de regroupement qui ont été déterminés sur la totalité de la presqu'île. Alors, tennis dans notre club qui est vraiment en tout point exceptionnel, que ce soit en termes d'infrastructure, en termes de lieux, c'est vraiment un superbe site avec aujourd'hui 2 terrains de padel et 11 terrains de tennis extérieur. Et puis c'est vrai qu'on a la chance d'avoir également 2 terrains couverts qui nous permettent de pratiquer toute l'année, quelles que soient les conditions. Voilà, et donc on cherche à augmenter notre nombre d'adhérents, surtout sur la tranche des ados là, à partir de 12 ans, pour dynamiser un peu le club et pour faire de vous des futurs moniteurs de voile. Franchement, un chouette, bien entendu.
c'est une association en fait qui fédère et qui a besoin en fait de multiples talents. Hein, c'est ce qu'on se disait. Non seulement des talents, que des bénévoles, beaucoup de bénévoles, oui. Et surtout des bénévoles. Oui, bien entendu. Oui. En tous les cas, la meilleure des récompenses maintenant, je crois que ça va être le passe-foot. Le mien, la buvette, l'association chasse vous attend. Juste ce que je peux dire et ce que j'ai déjà dit publiquement, en fin d'année, nous allons avoir un gros événement, mais vraiment énorme, qui n'a jamais eu lieu sur la presqu'île. On va être regardé et j'ai un gros travail de préparation à faire et bientôt vous en saurez plus. Beaucoup de bénévoles, oui. Et surtout des bénévoles. Oui, bien entendu, oui.